pas si heureux de vous retrouver. On est le dimanche 9 août 2020, 20h35, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. On n'a pas le choix de s'y faire. C'est juste le début. Ici, les cousins français, on avait un homme extraordinairement riche en trésors de connaissances, de philosophie, du nom de Roger Drolet, qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur, qui est décédé il y a quelques années. J'ai eu la chance de connaître personnellement, que j'ai rencontré chez lui personnellement aussi, et avec qui je parlais presque à tous les jours, son émission de radio à l'époque, Le Monde selon Roger Drolet. Et Roger Drolet expliquait très bien comment fonctionne le système, comment fonctionne le bag, c'est-à-dire la mentalité dominante d'un pays. Tous les pays ont leur mentalité dominante. Les Français ont leur mentalité dominante, socialisante, un peu gauchiste, hein, qui est toujours plagnarde. Par exemple, au Québec, mentalité dominante, nationaliste, péquiste, encore là, plagnarde, puis qui aime l'intervention des gouvernements, qui aime les gros gouvernements. Et partout, tu as cette mentalité-là. Les Américains ont leur mentalité, celle d'un petit gouvernement, le moins d'intervention possible, et ainsi de suite. Tu t'en vas dans le monde, puis chaque pays a son système et a sa mentalité dominante que tu vois partout dans les médias. C'est elle qui est dominante, cette mentalité-là. À la télé, c'est elle qui va être dominante. On va propager l'idéologie puis les défauts et les qualités de la population, souvent majoritaire, c'est-à-dire locale. Et c'est universel. Donc, il y a toujours une mentalité dominante. Roger Drolet expliquait très bien que tu ne peux pas combattre la mentalité dominante, tu vas toujours être perdant. Il faut que tu la comprennes, il faut que tu l'évites, mais tu ne peux jamais l'attaquer de front. Moi, souvent, je fais ça ici au Québec, avec quelques-unes de mes plateformes, j'attaque de front parce que j'aime ça, le défi, j'aime le combat, mais c'est sûr que tu ne seras jamais gagnant. Ceux qui se complaisent à essayer de plaire à la mentalité dominante deviennent populaires et ont des tonnes d'abonnés, mais quand tu confrontes cette mentalité-là, quand tu viens la remettre à sa place ou lui sonner une cloche, c'est certain que tu ne te fais pas des amis. Mais moi, c'est mon but, c'est pas de me faire des amis puis d'être populaire en racontant n'importe quoi pour plaire au monde. Vous me connaissez depuis assez longtemps, c'est plus pour provoquer que je suis là. Donc, la mentalité dominante, tu ne peux pas l'attaquer de front. Ou si tu le fais, il faut que tu saches que tu seras perdant à l'avance. Donc, cette mentalité-là, c'est elle qui domine tout. Hein? C'est elle qui domine l'influence, c'est elle qui domine le monde politique, le monde artistique, le monde télévisuel, radiophonique, et ainsi de suite, économique. Et c'est très, très fort. Le système est très, très fort. Drolet a expliqué ça très, très bien. Puis expliquer aux gens qui l'appelaient à son émission, parce que c'était une émission de ligne ouverte où il prenait des questions sur tous les sujets que tu peux s'imaginer, parce qu'il était capable d'élaborer, débattre ou expliquer ou essayer de comprendre les gens. C'était un homme extraordinairement riche en connaissances, en psychologie, en religion, en politique, en philosophie. Et les gens qui l'appelaient lui demandaient toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? Comment ça se fait que ça marche comme ça? Puis là, il expliquait tous les rouages. Parce que le monde, c'est le problème de la population. Ils vivent dans un système entouré de leur population et ne comprennent pas le fonctionnement du système ni comment pense la population. Et Drolet expliquait ça de façon vraiment, vraiment fine et intelligente. Et il expliquait combien de fois que tu ne pouvais pas changer un système. Il y a juste des illusions de changement. Il n'y a jamais eu de changement de système, sauf dans des événements cataclysmiques qui fait que le système change par lui-même, tellement c'est puissant comme événement. Mais des petites révolutions, des petits événements banals auxquels on est habitué de voir et auxquels on est habitué de passer à travers, ça ne change pas un système. Ça ne change pas le monde, ça ne transforme pas le monde. Le monde change seulement quand tu es touché d'une façon incroyable, qu'il y a un cataclysme qui vient remettre et détruire presque le système à sa base.
Drolet disait, sans ça, sans un événement comme ça, il n'y aura pas de changement, il va y avoir que des illusions de changement. Avec la COVID-19 et ce que ça a amené comme impact dans le monde, ça a été global, ça a été magistral, majeur, confinement pendant des mois, arrêt de l'économie dans le monde entier, effondrement de tout ce qui est financier et économique, des centaines de millions de nos frères et sœurs jetés à la rue, dans la misère la plus totale, parce qu'il faut que tu comprennes que dans nos pays à nous, on a des filets sociaux, hein, on a eu des primes d'argent pour compenser les pertes de salaire, mais bon nombre d'humains, la majorité, sont dans des pays où il n'y a presque pas de soutien financier et économique de la part des États. Et ces gens-là se sont retrouvés, déjà étaient dans des situations précoces, se sont retrouvés dans des situations vraiment maintenant, ils se retrouvent dans des situations misérables. Et c'est pas fini, c'est juste le début. Et là, on voit que le système est ébranlé de partout. Système d'abord social, nos habitudes ancestrales, vieilles de milliers d'années, de serrer la main, de se donner la collade et ainsi de suite, tout ça a été transformé. Imagine-toi que tu as été pendant des mois, tu ne pouvais même pas visiter tes parents. Donc, quelque chose de majeur qui n'a jamais été vécu avant, entre autres, ça. Donc, toutes nos habitudes sociales, paf, disparues. Imagine-toi que les baptêmes, les mariages, dans différentes religions, hein, peu importe la religion, mais il y a des célébrations de baptêmes, l'équivalent dans différentes religions, de mariage. Tout ça a été annulé. Imagine. Donc, tu as des gens qui avaient planifié leur mariage, quelque chose de majeur, paf, annulé, cause COVID-19. Baptême, annulé, cause COVID-19, cérémonie de ceci, cérémonie de cela, fête des pères, fête des mères, nomme-les toutes, la Pâque, cette année, paf, annulé. Plein de fêtes juives, musulmanes, paf, annulées. Donc, le système dans sa totalité, dans nos pays respectifs, s'est effondré. Et on ne sait pas quand ça va revenir. Puis comment ça va revenir, puis ça ne reviendra pas. Moi, je vous le dis, la vérité, juste la vérité, rien que la vérité, pensez pas à revoir ce que vous aviez comme vie avant, c'est fini. On est témoins, on vit ça ensemble, c'est majeur. Ça ne reviendra pas. Le système est changé à jamais. Puis c'est pas fini de changer. Parce que là, en plus, tu as les changements climatiques qui viennent se mêler à cet événement d'une ampleur. Moi, je pensais, je voulais vivre quelque chose de majeur de mon vivant. Parce que j'ai toujours pensé que ce système-là devait s'effondrer parce qu'il était d'une injustice incroyable. Mais je n'ai jamais pensé que je le vivrais. Puis on le vit. Donc moi, je peux vous avouer candidement que je suis très heureux de ce qui se passe dans le sens où je suis comblé. Parce que le système est en train de s'écrouler. Et j'ai toujours, toujours rêvé de voir ce système s'écrouler. Qu'est-ce qui va en résulter? Je ne sais pas. Mieux, pire, juste le temps nous le dira. Mais le système complètement, s'est écroulé complètement. Et c'est pas fini, c'est juste le début. Et il n'y a rien qui va revenir à ce qu'on avait avant. C'est fini. Nous autres, on a été témoins dans l'histoire de l'humanité d'un événement cataclysmique. Cette pandémie mondiale, c'est un événement d'une ampleur cataclysmique qui a tout changé. Puis c'est pas fini. C'est juste le début. Puis ça, c'est sans compter toutes les perturbations sociales que tu as en ce moment dans le monde entier, tu les vois, je n'ai même pas besoin de te les décrire. Même les plus ignorants en entendent parler, les plus sourds l'entendent, les plus aveugles le voient. C'est partout. Donc, tu as cet événement-là cataclysmique qui a déclenché plein d'autres choses et comme si ce n'était pas assez, le déboulement de plein d'autres événements qui se poursuivent. Tu as vu ce qui est arrivé au Liban, tu as vu ce qui arrive à gauche, à droite, partout, partout, partout. Ça, c'est sans compter toutes les histoires d'horreur que je vous raconte,
de tous ces changements climatiques, cette intensification des changements climatiques qui amène son lot de misère par-dessus tout ce qu'on est en train de vivre, sans compter, je ne vous parle même pas de ce qui se passe dans le cosmos, dans l'espace. On est mieux de ne pas le savoir, parce que là, on commencera à devenir vraiment, vraiment timbré. La crise environnementale n'a pas fini non plus de nous frapper. Et c'est sans compter tous les autres et autres changements qui vont suivre et la continuation de la vague de cet événement cataclysmique qu'on appelle la COVID-19. Avec son lot de morts, naturellement, mais son lot de malades aussi. Combien de gens vont rester malades? Ils vont avoir des séquelles. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que les conséquences pour le système cardiovasculaire, cérébral, intestinal, rénal, sont difficiles à mesurer. Il y a de plus en plus d'études comme ça. Donc, ce que Roger Drolet disait pour qu'un système change, bien là, tu l'as. Ça prend un cataclysme. Il n'y a jamais pensé, personne qui a pensé qu'une pandémie comme celle-là viendrait nous changer, nous bouleverser et être l'élément déclencheur, être le cataclysme de changement complet. Et ça, sans compter toutes les frictions que tu es en train de voir naître au niveau des relations intergouvernementales, géopolitiques, les nouvelles alliances qui se forment, les nouveaux camps ennemis qui naissent aussi. Qui aurait pensé un jour que les relations entre les États-Unis et la Chine deviendraient ce qu'elles sont devenues sous le président Donald Trump? Et avec cet événement-là, par lequel les États-Unis essayent de se... comment dire... déresponsabiliser, hein, face à cette crise majeure aux États-Unis avec plus de 160 000 morts maintenant, plus de 5 millions de cas, puis il n'y a aucun État qui semble être en contrôle, parce qu'il n'y a eu aucun plan national, et le gouvernement fédéral, pour se déculpabiliser, déresponsabiliser, cible la Chine, qui n'a rien à voir là-dedans. La Chine a géré son affaire, les États-Unis n'ont pas géré leur affaire, puis ça fait longtemps, c'est depuis le mois de décembre qu'on sait qu'il y a une crise majeure en Chine, puis que le virus est allé en Europe, les États-Unis avaient amplement de temps pour se préparer. On ne peut pas blâmer la Chine. C'est tellement du n'importe quoi, encore une fois, de l'administration américaine, que là, maintenant, c'est Trump, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est toujours pareil. Les colonialistes, impérialistes, dominateurs, qui essaient toujours de se présenter comme les victimes puis de toujours mettre le blâme sur les autres pour justifier leur mauvaise administration. Le virus, il était là, tu le savais, depuis décembre. Tu as vu ce que ça a fait en Chine? Hey, on était là devant nos yeux. Moi, sur ma chaîne Patreon, j'ai partagé des images vraiment qui, encore aujourd'hui, te tournent le cœur de gens qui tombaient comme des mouches. On a vu le gouvernement réagir chinois en barricadant les gens chez eux, en les emmenant de force dans des centres, patati patata. On nous disait dans nos télévisions, nous, on est en train de construire des hôpitaux de 2000 places chacune, temporaires, et patati patata, en 10 jours. Tu vois tout ça, c'est en train de se dérouler devant tes yeux, puis toi, tu as tes gouvernements qui sont là à se croiser les bras. Puis tu voudrais aller blâmer la Chine pour le désastre que tu as dans ton pays, X, Y ou Z. C'est complètement démagogue et malhonnête. Après ça, tu as vu que c'est arrivé là-bas, en Europe, Italie, Espagne, France. Puis t'as vu, pendant des semaines et des semaines, t'as eu le temps de voir ce qui se passait là-bas. Puis aujourd'hui, t'es rendu le 9 août. Puis t'as l'administration américaine qui blâme encore la Chine, puis qui dit que c'est la faute des Chinois. Alors que le gouvernement fédéral n'a aucune politique nationale cohérente. C'est comme ça que ça se passe. Et là, on est rendu là, donc tu vois la tension entre la Chine et les États-Unis maintenant. La guerre commence à se répandre économiquement. Là, tu as la fameuse application TikTok qui devient de plus en plus populaire que les Américains voudraient bien acheter pour une chanson. C'est le cas de le dire, hein? C'est une application qui fait affaire avec la musique et la
la chanson, je pense, ou la danse, ou en tout cas, les jeunes aiment ça. Ça devient de plus en plus populaire. Et là, on allègue qu'il y aurait des dangers pour la sécurité nationale. Encore une histoire de BS, comme on dit. Et là, les États-Unis qui veulent acheter TikTok pour permettre à TikTok de continuer à exister aux États-Unis. La condition, c'est que ça doit être les Américains qui achètent TikTok. Comme si tu avais une plus grande assurance que tu auras. Pas de problème parce que c'est les Américains qui vont gérer TikTok. Tu n'auras pas de vol d'identité ou on ne viendra pas chercher tes données. On ne les utilisera pas pour X, Y raisons commerciales. Vois-tu dans quel monde on est rendu? Donc, si tu enveloppes tout ça, ce qui se passe en ce moment, puis c'est pas fini, tu as vu les levées de population partout, de boucliers, hein? Les populations se lèvent parce que c'est pas facile pour le monde ordinaire. Pendant que les élites s'enrichissent en temps normal, s'enrichissent en temps de crise, puis s'enrichissent en temps d'apocalypse. Les élites s'enrichissent toujours. Puis le peuple, lui, s'appauvrit toujours. En temps normal, il s'appauvrit parce qu'il se fait taxer, puis taxer, puis taxer, puis on dépense son argent pour l'élite. En temps de crise, il se fait non seulement taxer, il perd son emploi, puis en temps de cataclysme comme maintenant, il a tout perdu, puis il continue à s'appauvrir. Et l'élite continue à s'enrichir parce qu'on imprime des trilliards de dollars pour elle, via leur piggy bank, leur petit cochon, les banques centrales. Donc, en conclusion, ça va mal, puis ça va continuer à aller mal, et ça va continuer à aller de plus en plus mal. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant pourquoi ça va mal, pourquoi ça va aller de plus en plus mal, et que vous avez intérêt à être fort, solide, parce que ce que vous allez avoir à affronter, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Je vous reviens.